Bah ouais, pourquoi ils connaîtraient pas? Mais ça, ça me fait toujours marrer. Pourquoi vos profs ne connaîtraient pas Steam et joueraient pas à des jeux? Pourquoi? Pourquoi ça leur serait interdit en fait? Système d'armement. Parce qu'ils sont profs. Hein. C'est un prof inactif, elle forme les 1 minute en survêt. Bah oui, samedi on était. On était l'après-midi samedi. Hein. T'es venu samedi? Engagez le combat. Par contre, quelqu'un en survêt et casquette Lacoste n'est pas forcément prof de sport. C'est clair. C'est clair. Il nous attaque. Surtout s'il te propose de la drogue. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre problème. On nous attaque. C'est pour montrer l'exemple qu'il faut prendre les survêt. Ouais, ouais, c'est ça. Au poste de combat. Système d'armement activé. Toi, tu vas derrière. Ils sont obéissants, ces bateaux. C'est bien. Toi, tu tapes ça. C'est pas bien, Sissi. Tu vas avoir des mauvaises notes demain. Mais ça sera pas de ma faute. Quel jour demain? On est mercredi demain? Je connais que du béton et de l'acier. Notre volonté, elle, est indestructible. Tu l'as dit... La première fois, ça avait de la classe, Virgile. C'était Virgile, je crois. La première fois, quand tu le disais, ça avait vachement de classe. Ça a pété et tout. C'était soi, quoi, quand tu le disais ta réplique la première fois. Mais là, ça fait la troisième fois que tu le dis, en fait. À chaque fois qu'on fait une mission, tu le dis. Donc... C'est plus très swag, c'est plus génial, quoi, tu vois. C'est... Faudrait peut-être en changer de réplique. Je sais pas, mais faudrait faire quelque chose là. Paré à l'action. On va attaquer ça. Au poste de combat, ils nous attaquent. Cours d'électromécanique avec une gueule de bois, je te dis pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous en BTS, une fois on était. J'étais avec. Avec Gimli, parce qu'il était à l'école avec moi. Enfin, on était en BTS en même temps. Et un matin, il y a notre prof principal qui était rentré dans la classe, qui nous avait regardé et qui avait fait. Et ben, aujourd'hui ça va être dur. Effectivement, ça avait été très dur. Mais super méga dur. Ce jour-là, on avait dû dormir 2 heures, je crois. C'est parti. Surtout que les profs, c'est des bons joueurs. Parce que les profs, en fait, ils ont vachement de temps libre, les profs. Donc du coup, c'est des bons joueurs. Enfin, des bons joueurs, on sait pas s'ils sont bons joueurs, mais surtout ils jouent beaucoup, vu qu'ils ont énormément de temps libre. Au poste de combat. Ah, c'est possible le killer, mais à ce sorci, il y a les Québécois, je pense qu'ils vont pas tarder à arriver, les Québécois. Excellent, Xav. Oui, effectivement, le prof de sport ne fait pas de sport, tout simplement. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas se faire ridiculiser par un de ses élèves. C'est pas faux, Xav. Merci. Le climat s'est restabilisé. Je vous revaudrais ça. Oui, on n'a pas fini l'émission, donc tu te tais, d'abord. Mais exactement, c'est exactement ça, en fait. Hein. Un prof de sport ne fait pas de sport pour pas se faire ridiculiser par ses élèves. En route. Qui c'est qui... Il y en a un qui me tire dessus. Ah oui. Ouvrez le feu. C'est mon prof de sport qui mate des garçons et des filles. Bah...
normal, il est prof, il faut bien qu'il vous surveille. Après, s'il vous regarde avec un regard lubrique, là, je te conseille d'aller voir, un responsable. Mais normalement, c'est normal qu'il vous regarde, hein. Il est obligé, parce que si vous faites une connerie, ça sera de sa faute. Au poste de combat. Tiens, Orphéen, et salut à Marc qui revient. Marc qui n'est pas prof de sport, et on peut en reconnaître parce qu'il n'a pas de survêt, hein, comme vous voyez. Oh purée, la faute de Marc, j'ai perdu un bateau. Marc. Drone de réparation lancé. Affirmatif. C'est parti! Qu'est-ce que j'avais à faire en fait? J'avais des missions à faire. Ok, il faut que j'aille buter des bateaux ici. C'est parti! C'est con, j'étais en train de regarder le chat en fait, et c'est pour ça que j'ai perdu un bateau, je faisais pas gaffe. Les voilà! Qui ça? D'accord. Paré à l'action! Donc, petit conseil, ne vous frottez pas à fistule. Saison de judo. Système d'armement activé. Et autant de picoles. Salut Solaria. Peut-être réparer avant, non? Avarie en cours de réparation. Coordonnées confirmées. Ils ont l'air méchants, eux. On nous attaque. PNJ de ton jeu, un survêt, donc c'est un pro de sport. Oh, suce au PNJ. Le ne se représentera plus. Beau travail. C'est parti. C'est bon, on a fini les deux missions. On peut quitter alors. On va peut-être récupérer des trucs avant. Paré à l'action. Ouais. On va pas rester. Bien reçu. Fasse-toi, tire dessus, Bouti. Affirmatif. C'est bien parce que à ce moment-là, on n'a pas à s'inquiéter des problèmes financiers dans ces missions-là. C'est ça qui est bien en fait. On est en route. Alors, du coup, on va quitter la mission et on va retourner. Le climat s'est restabilisé. Je vous revaudrai ça. De rien, prof de sport. Comment il s'appelle, lui? Je sais plus comment il s'appelle. Il n'y a pas marqué comment il s'appelle. Mais c'est un prof de sport, en fait. C'est bien le département 60 Balrog, pourquoi tu me demandes ça? C'est, je sais même pas où c'est le 60. C'est pas comme s'il y avait cours. Si on va faire celle-ci aussi. Combat dans cette zone. Oui, on va faire standard parce qu'avancer c'est trop compliqué pour moi. Et je peux pas améliorer les bateaux? Non, je peux rien faire. Bon. On va y aller. Je crois que le meilleur prof que j'ai eu, c'est celle de néerlandais, puisqu'elle est toute jolie. Oh bah c'est les meilleurs, hein, parce que du coup là on est attentif et tout.
quand on a une prof qui joue Lee, c'est sympa, quoi. C'est mieux que le gros barbu. Le gros barbu, c'est pas super génial. Après, peut-être que les filles, ça les intéresse, mais nous, les gars, c'est pas génial. Pourquoi tu n'utilises pas les onglets de gauche? Ils sont assez importants. Quels onglets de gauche? De quoi tu me parles? Là, Drake et sa forteresse de la solitude. Plutôt bien gardée, d'ailleurs. Mais rien d'insurmontable. Notable 32. J'espère. De quoi tu parles? Trouvez-moi un point d'accès serveur ou quelque chose d'approchant que je pirate leur base de données. Il faudra peut-être trouver d'autres accès. Oh, des visiteurs. Pourquoi tu me débarques? Les équipages au poste de combat. Réservons-leur un charmant. Pourquoi tu me parles du département 60, Solaria? Je sais pas ce que c'est le département 60. Les bidules de gauche. Filtre de la mini-carte. Le monde vous attendra pas. Si vous voulez changer la donne, exprimez-vous. Ah, là, que tu veux dire? À gauche ou à droite, tu m'as dit, je sais plus. Il est tard. Hein. Les onglets de gauche. Oui, bah, c'est les trucs de mission. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bateau? Le Titan vétéran. Le Turtle. Le Spark. C'est quoi, le Spark? Ah oui, c'est le petit. Et le Flair. Il a du Flair, le Flair. C'était la blague de 23h16 de Balrog. Et il y en a des pires dans The Witcher. Si vous connaissez pas The Witcher, j'en fais des beaucoup pires dans The Witcher. Vous avez qu'à demander à Orphea, You, etc. Bah, ils sont partis, donc vous demandez à Marc. Un prof de SVT avait genre pas plus de 23 ans. Avait, parce que c'est passé. Bah, on voudrait bien venir dans le Var, Kevin, mais bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que Valorant, il cause, mais il a des missions à faire, là. Je capte plusieurs contacts ennemis. Il y a des chances qu'ils vous tirent dessus. Toujours ok? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Trouver ouvrier sur la terre ferme. Ok, il faut qu'on trouve des ouvriers sur la terre ferme. C'est des ouvriers robots en fait qu'il faut que je trouve, d'accord. Bon, on va commencer par ça. Vraiment, ça devrait pas prendre des années non plus. Surtout que. Ah, c'est pas la même map, parce qu'aussi il n'y a pas de neige. On ne sait pas forcément. Là, il y en a un. Trois qu'elle voulait, la dame, non? Je crois que c'était trois qu'elle voulait, la dame. Si vous en voyez un, vous criez très fort chez vous. Vous criez très fort. Stop, Balrog! Là, il y a vos parents qui débarquent. Mais qu'est-ce que tu fous, corps de booster, si t'as cours demain? Les données d'intervention sont assez incroyables. Bah ouais. Le curseur de menace des voyages transmaritimes est dans le rouge. Quelqu'un n'est pas censé intervenir? Et tu te rends compte que ta réplique est totalement ridicule? Le curseur des attaques flottiennes est dans le rouge! Faites quelque chose, mon dieu! La réplique la plus bourrie de 2015. flotte d'appui 5 fois. C'est quoi flotte d'appui? Convoque une flotte de sous-marins. J'ai jamais fait ça, moi! Purée, je découvre des trucs. Hein. C'était ça que tu disais, peut-être, Uptode, alors. Mais il faut être. Pile poil quand il faut! Ah, mais t'es là, Nick! Vous cherchez du boulot? Je livre des impulsions EEM, d'accord. Bon, on va faire ça, on va foncer dans le tas, et puis on va compter les morts, et puis on verra bien. Au poste de combat! Alors pourquoi le 60? J'ai pas suivi. Domman, salut Domman. T'as vu, j'ai pensé à pas mettre le R ce coup-ci.
Et en fait, on est en train de se dire avec, c'était avec Domingo, on est en train de se dire, Domman, faudrait, parce que c'est pas normal que tu reçoives pas les invites comme ça. Je parle du live abonné qu'on a fait l'autre jour. C'est pas normal de pas recevoir les invites. Donc on se demandait, en fait, si tu n'avais pas activé l'option de ne pas recevoir de ne recevoir d'invitation que de tes amis. Et dans ce cas, ça expliquerait que tu n'aies pas reçu mes invitations. Système d'armement activé. C'était vu que je te vois là, j'en parle. C'est ça, parti. Hein. Ah bah les autres ils sont là, les méchants là. Hop hop, reviens ici le bateau. On est en route. C'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est flotte d'appui qu'il faut que je fasse. Flotte d'appui, ok. Affirmatif. Bah déjà, il faut que je le finisse, le killer, Ryan. Ryan le killer. Il faut que je le finisse, The Witcher. Et puis bah après on verra si je fais le DLC, si je fais pas le DLC. On verra bien si j'ai le temps. Ça prend du temps à faire The Witcher. C'est pas forcément ce qui prend plus de temps, mais ça prend un petit peu de temps. Donc surtout 3 vidéos par semaine, ça commence à faire un petit peu. Enfin. Concentré parce que j'ai pas envie qu'il meure lui. Système d'armement ça serait ballot. Oui, c'est ce que je fais, parce que là il faut que je fasse une. Faut que j'utilise ça 4 ou 5 fois, je sais plus. Enfin... Bien reçu. Poum poum poum. Auto-réparation en cours. Barré à l'action. En fait, si t'avances tout doucement, ça devrait le faire. En gros. Au poste de combat. Bon, moi dans 10-15 minutes je m'en vais livrera quand mais je parle toujours pour dire des blagues demain. Je vais pas. On nous et... attaque. Hein. Oh purée. Réparation en cours. J'ai un bateau qui a failli passer, dis donc. Engagez le combat. Ça c'est le on tout petit, il est tout petit, il est tout fragile. De nom, oui, j'ai jamais joué à StarCraft 2. Fin... Mais de nom je connais, oui, bien sûr. Cible acquise. Il y a plein de jeux auxquels j'ai pas joué. Coordonnées confirmées. Va pas par là, il y a une grosse buvette. Hein. On va aller par là. En avant, toutes. Et on va attaquer ça. Et voilà. Comment il prend cher à chaque fois celui qui est devant. J'ai perdu mon petit bateau, voilà. Bien reçu.
Et donc, qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il avait sur le lien avec le 60? J'ai pas compris. C'est... Et désolé, c'est mon... C'est mon... De correcteur. Je vous dis bonne nuit à tous. Salut, Brian. Et bonne... Frites, oserais-je dire, pour demain. Reçu. J'étais obligé. Bon, moi, dans 10-15 minutes, je m'en vais. Tu liveras quand pour que je revienne pour dire des blagues de merde? Bah, je sais pas, faut que tu surveilles les réseaux sociaux. Et puis en général, je balance. Ah, bouge pas la caméra. Et en général, je balance une vidéo annonce pour dire. Une vidéo annonce sur YouTube pour dire que je pars en live. Ça n'a rien à voir en fait. Qui c'est qui me pose la question? Ça n'a rien à voir, Armand Warfare et War Thunder, Yvan. War Thunder, c'est plus côté. Comment dire? Plus côté réalisme de la chose. Contrairement à War Thunder qui est plus ce côté. Non, pas War Thunder. Non, War Thunder côté réaliste, oui. Et qu'est-ce que je disais? Armand Warfare qui est plus arcade comme What. Ou Armand Warfare est plus à comparer à What. C'est à peine mieux, hein, parce que c'est SES, c'est pas non plus génial. Mais t'inquiète pas, c'est qui s'inquiète pas, Juju. Vu ton orthographe, tu peux toujours faire porte de sport. Faudra juste que tu t'achètes un survêt. S'il y a un prof de sport dans la salle, je suis désolé, je n'ai rien contre toi. C'est juste le survêt. C'est juste le survêt, on ne supporte pas le survêt, mais c'est horrible. Pourquoi il y a des méchants là? En fait, je suis au milieu. D'accord, je suis au milieu. On va aller par là. Reçu. J'ai cherché le petit bateau, je sais pas où je l'ai mis là. Affirmatif. On nous attaque. Pas souvent, si. Pas souvent parce que ça m'énerve. En fait, ça m'énerve les gens qui causent au ciné. Ou qui prennent des. Ou qui. Farfouille dans leur paquet de bonbons, je supporte pas. Du coup, ça m'énerve quand j'y vais. Du coup, j'ai tendance à pas y aller. Alors, en fait. Opération lancée. C'est pas pour ça que je regarde pas de films. Nuance. Reçu. Ou pire en short, bah ouais. Mais le short quand même, il faut qu'il fasse chaud quand même un petit peu, non? 0 sur 5. Et j'en ai pas, si? Non, je crois pas que j'en ai. Engagez le combat. Oh, je peux utiliser les sous-marins. D'armement activé. Faut que je trouve juste que je trouve des ennemis pour les utiliser. Coordonnées confirmées. Ah mais il y en a plein, c'est les verts en fait, d'accord. Il y en a plein ici. Ouais. On est en route. Ouais, c'est cool ça. Lancement de missile nucléaire.
Des missiles nucléaires, mais ils sont pas bien. Ils sont pas bien. Cible acquise. Ils ont compris leur douleur. Joli. J'ai vraiment galéré pour pirater leur réseau. Sans vous, j'y serais jamais arrivé. Mais j'ai pas fini là-haut. T'es gentil. Moi, je les élimine tous. Surtout, j'ai pas fait les missions annexes, donc il est hors de question que je m'arrête là. Par contre, il y en a un qui est à moitié mort. Drone de réparation lancé. Moi, si je suis sport, ça serait du foot pour tout le monde. Désolé pour les filles. Ah non, du rugby. En fait, c'est pas le fait de payer pour aller au cinéma qui me dérange, c'est le fait, encore que c'est vachement cher et que, par exemple, à Quimper, ici, il y a des lunettes 3D, mais c'est des lunettes 3D à cristaux liquides, là, des lunettes actives, et en fait, elles sont toutes complètement rayées, leurs lunettes, ils savent pas en prendre soin. Donc, du coup, payer super cher pour aller voir un film en 3D, pour avoir mal à la tête en sortant et avoir des lunettes dégueulasses, c'est nul, quoi. Mais non, mais j'ai rien. À part ça, j'ai pas. Non, j'ai rien. C'est plus le fait que les gens font trop de bruit dans les ciné, quoi. C'est. Cible acquise. C'est surtout ça qui me dérange, en fait. Bah, mais c'est normal que dans le VAR tu sois en short. Nous aussi, le 14 juillet et le 15 août, on est en short en Bretagne. Mais seulement ces jours-là, après il fait trop froid. Bien reçu. Mais si tu veux me faire venir dans le VAR et me donner du travail et tout, me payer super cher dans le... Si ton patron, si ton papa est milliardaire et veut me payer à rien faire, pour venir dans le VAR, il n'y a pas de problème. C'était Kevin, c'est ça? Oui, c'était Kevin. Reçu. Il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de venir. Et je les dirige aussi ceux-là, mince. Affirmatif. Quel est l'objectif? Bah, l'objectif, je ne sais pas encore. On peut pas le tuer, non, oui, on l'a déjà tué. Et... On est obligé de nettoyer toute la map là, parce que ça va vite devenir chiant. Quel est l'objectif? Ah non, je peux pas le diriger, lui. On reste vigilant. C'est dommage. C'est dommage. En avant, toutes. C'est pas le foot le problème. C'est pas le foot. Je vois que Solaria dit qu'il déteste le foot. C'est pas le foot le problème. En fait, c'est la mentalité qu'il y a autour du foot qui est le problème. Mais le foot en lui-même, c'est un sport sympa. Mais c'est le problème de la mentalité qu'il y a autour. Et. Bien reçu. Et les affrontements et tout ça. Et la haine que le. Le sport doit pas engendrer de la haine en fait. C'est parti. Tout comme les jeux. C'est ridicule d'avoir de la haine dans les jeux. Rameuter des copains à vous. Merde. C'est parti. une impulsion électromagnétique dans ta tronche. On va réparer parce que j'ai plein de trucs. Système de réparation activé. Bah non, parce qu'il faut que je fasse je sais pas quoi, il faut que j'appelle trois fois la faute d'appui, et il faut que je fasse quoi? Que je ramène des... trois impulsions EM à la base, et je sais pas si je les ai encore. Donc je vais encore faire un petit peu, je vais aller abattre ça. Engagez le combat.
C'est parti! Non, pas vrai, il fait toujours chaud et chaud en Bretagne. Bah, ça dépend de la définition de chaud, quoi, c'est ça le problème. Ennemi repéré, ouvrez le feu! Qui, où ça? Eh merde! Affirmatif! Il est quand même assez puissant le petit bateau là. Bien reçu. Je sais plus si c'est pas les trucs bleus, les impulsions électromagnétiques. En avant, toutes. Engagez le combat. Ciao Solarien. Bonne nuit Solarien. Par exemple, Fistule, il a chaud dès qu'il en atteint les 20 degrés. C'est un Quimperois pur souche. Reçu. Drone de réparation lancé. On va aller où maintenant? Où est-ce qu'il y a des méchants? On est paré. Ennemi repéré, ouvrez le feu. Oui, bah oui, What, c'est le très bon exemple, il y a super. Mais c'est comme tous les jeux en fait, c'est quand t'as un petit comité, ça se passe super bien, mais dès qu'il y a dès que le jeu a du succès et qu'il y a beaucoup de monde, bah tout de suite ça les gars ils commencent à se taper dessus. Fin. Espérons qu'on n'aura plus à se battre avant un bout de temps. Au poste de combat. Bouclier d'énergie actif. Non, non, c'est pas ça en fait que je voulais faire. C'est marrant ça. Voilà, il est mouru. Auto-réparation en cours. Je peux pas livrer les trucs là. Mince, il est où le... Le port il est là. Donc je vais passer par... Je suis là. Je vais passer par là. Par là. C'est parti. 20 degrés pas plus, après je transpire du sang. Bah voilà. Alors que moi, 20 degrés, j'ai froid, tu vois. Parce que j'ai été trop là où il faisait chaud, et du coup, maintenant j'ai froid. Dès qu'il fait 20 degrés, moi j'ai froid. Tu me mettrais chez Kevin, je serais très bien, tu vois. Affirmatif. Ciao, Sissi. Et à la prochaine. Non, j'ai pas. J'en ai une sur trois d'impulsion. Donc je peux pas la finir cette mission, il y en a une ici, tiens. On est en route. C'est pas une impulsion là? Si, une deuxième ici. Au poste de combat, il nous attaque. Les voilà. Aïe. Aïe. Affirmatif. Auto-réparation en cours. Bouclier d'énergie actif. Affirmatif. Et voilà.
Oh! On est paré! J'ai encore failli perdre un bateau. je vais retourner en arrière. On va aller chercher le carburant. C'est une question d'habitude de regarder le chat en même temps que de jouer. Bah après on fait des conneries aussi, on n'est pas. On joue pas aussi bien que de. On joue pas. Casse-toi. T'es tout seul, n'affronte pas les méchants tout seul. Tu vas y passer sinon. C'est une question d'habitude, mais du coup on fait des conneries aussi. C'est parti. On joue pas aussi bien que si on était concentré uniquement sur le jeu. Reçu. Comme ça, je vais pouvoir réparer mes bateaux. Ah, surtout celui qui est à moitié mort. Bonne nuit, Domman. Bonne nuit, Sissi. Auto-réparation en cours. Enfin, je sais pas qui c'est qui dit bonne nuit, qui c'est qui s'en va et qui c'est qui répond à Sissi qui est parti. Reçu. C'est ça le problème. Paré à l'action. Ça c'est fait, et je pense que c'est fini là, ça va être pas mal là. Et voilà. Affirmatif. Je pense qu'on est pas mal là. Yes! Ennemi repéré, ouvrez le feu! Tout ça. C'était du beau travail. Efficace et définitif. Aïe! Nickel, bon, bah on va finir du coup. Du coup, on a tout fait sur cette mission, donc on va quitter la mission. Sur la page des actus. Une victoire héroïque. Merci, merci. Encore une note. Du coup, je vais aller voir là-bas. Radote si peut-être, hein, mais je tiens un entrepôt dans le coin. On pourrait faire affaire ensemble. Oui, mais j'ai toujours pas compris si tu vendais ou si tu achetais quand j'allais chez toi. Ciao, ciao, Kevin. Et profite bien de la chaleur. Pour nous. Oh, c'est un plaisir de vous rencontrer en personne. J'avais pas fait un truc de communauté, moi. Insuffisant. Ce que je voulais faire, c'était ça. Par contre, ici, je suis en... Non, c'est en train de baisser, dis donc. C'est de la qualité, vous verrez. On va mettre des trucs comme ça pour diminuer l'entretien. Entretiens 20. Alors, qu'est-ce que vous en dites?
Plus 50% de coût d'entretien. Ouais, mais c'est pas trop ça que je veux faire, moi. Vous devrez mobiliser vos forces. Vous en aurez besoin pour la suite. De quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est une usine et dépenser du graphène pour construire un module de production. Pour acheter des marchandises sur le marché mondial, cliquez sur la station spatiale et créez une route. Ouais, mais je veux pas en acheter, moi. Sur la station spatiale pour écouler vos excédents de production, mais gardez l'œil sur votre coût d'entretien. Créer une route de transfert de implants neuronaux de glacier à bassin de bidule. Ok, donc ça, il faut que je fasse. Il y a de la place pour quelques améliorations. Ça, il faut que je fasse. Nouvelle route de transfert. Implants neuronaux. Ah, ça va coûter encore des sous. Le personnel au sol a besoin d'un système de traitement rapide des données. Heureusement, c'est un besoin que vous aviez anticipé. Connexion en cours. Ah. Nouvelles options de construction. Ok, je sais pas ce que j'ai débloqué comme bâtiment. Il est à 30 euros. Tu peux le trouver à 35, je crois, sur G2A, le jeu. Enfin... Non, oh, pardon, je réfléchissais. C'est à cause de la route que je suis retombé comme ça. Point de vue entretien. Alors lui, il est transi. J'espère que ça vous sera utile. Du Molybden. Et ça raconte, elle ? Le poisson, il n'y en a quasiment plus en fait. Port de pêche. Bah si, il y en a du poisson. Et elle est où la conserverie? J'avais fait des conserveries, je sais pas où elles sont. Usine, champ de compression, fonderie. Ah, conserverie. Ah, pourquoi j'ai pas de poisson? Production plus 16, consommation moins 9, export plus 7. Ah oui, j'en exporte, d'accord. Je pense que je vais aller m'installer. Coordonnées confirmées. Que je vais revendiquer la zone là. Bah, de 60 à 35, ouais, il y a une. Quelle prévoyance! Une autre filiale arctique sera sûrement très utile. En avant, tout. C'est quand même fort.
c'est quand même fort. Ah, j'ai pas assez de sous, merde. Par contre, c'est pas cool ça, parce que du coup, mon taux d'entre deux. J'ai un mal fou à l'équilibrer ça, le taux d'entretien c'est dingue. Et il y a les crédits qui sont en train de tomber. Pourquoi? C'est hallucinant. J'arrive pas en fait à vraiment visualiser le commerce. Le personnel qualifié affecté au programme aura de besoins plus pointus que le commun des ouvriers. Sachez-le, construisez et reliez services de sécurité. J'ai un peu de mal à comprendre comment que ça marche. Deux cent cinquante. Comment je peux faire le... Je peux le faire baisser. Plus de monde. C'est en train de baisser à une vitesse hallucinante mes crédits. Merde. J'ai fait une connerie en plus. J'ai fait une deuxième connerie en fait. Parce que chaque fois je vous mets de foutre la route parce qu'on voit pas grand chose dans ce putain de système arctique. T'énerve pas Balrog. Mais gros, je fais ce que je veux. Ouais, ça baisse, hein. Quand on construit des maisons, ça baisse. Bon, bah, on va construire des maisons, alors. En fait, on équilibre le coût d'entretien par les maisons. Mais du coup, ça fait des tonnes de maisons, quoi. C'est ça qui est hallucinant. En plus, il faut que je les fasse dans la zone de où il fait pas trop chaud, pas Nouvelles trop froid. Nouvelles options de construction. Ah, vous je suis remonté. Nickel. C'est très aimable à vous. En fait, il faut absolument, avant de construire une usine, il faut construire des habitations. Automatiquement. Automatiquement. Alors... Le mobile machin là, les est-ce que j'en ai en biens de consommation spécifique sont insatisfaits. Stimulant. Comment qu'on fait les stimulants? C'est je sais pas comment on fait ça moi. Oh, d'accord. Des coraux abyssaux. J'en ai pas sur mon autre île un truc de construction côtier. Si, regarde. Je peux pas parce que ça coûte 6000. Il va falloir attendre que ça remonte. Donc du coup, je vais regarder le chat.
tant que Balrog est motivé, quand l'écran sera noir, juju, jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, quand même pas, Marc, on va pas exagérer. Un démon ne meurt jamais, donc oui, j'aimerais bien, Zaf, c'est pas... Oui, j'aimerais bien. Juju, MDR, bien sûr. Non, il faut faire avec une petite voix, parce qu'il est pas... Il est encore au lycée, je crois, donc... Ouais, MDR. Ah ouais, il faut faire avec une voix comme ça, qui mue, c'est marrant. Juju qui mue, enfin... Ouais, MDR. Quand il n'y aura plus personne pour regarder le live, même les démons n'aiment pas parler au mur, c'est pas fou. Je vais laisser connecter, aller me coucher alors. Et si Insomnia, tiens, si vous connaissez pas my happy little tree, depuis, en fait, il y a Twitch qui a créé une chaîne pour les créatifs, pour ceux qui font soi-disant de l'art. Et depuis 9 jours, je crois, je sais plus, il y a un marathon qui est en cours où ils rediffusent tous les épisodes de The Joy of Painting, la joie de peindre, de Bob Ross sur Twitch. Et c'est un total délire parce que, en fait, c'était une émission américaine où il y avait un peintre qui peignait dans les années, je sais pas, dans les années 70-80, je crois. Ce genre de risque, ça vous connaît, pas vrai? Chut. Et en fait, c'est complètement délire parce que le mec, dans chaque émission, il fait un tableau. Bon, après, c'est joli, c'est pas joli, on s'en sait rien. Mais il fait son tableau et en fait, c'est le chat. La relation entre le chat et lui, parce que lui, malheureusement, il est mort depuis très longtemps. Et je pense qu'il se serait bien marré en regardant ça, parce que donc tous ces épisodes, il y en a plus de 200, je crois, je sais plus combien il y en a, sont rediffusés sur Twitch. Et à chaque fois qu'il finit une toile, il y a des gros GG pour le féliciter. Et à chaque fois qu'il revient à l'écran, il y a des Hi Bob, salut Bob, comment tu vas? Et c'est complètement délire. Et les mecs se marquent un peu possible sur le chat, et c'est complètement délire. Si vous avez pas vu ça, c'est depuis ce week-end, depuis vendredi ou un truc comme ça, que c'est en place, et c'est complètement hallucinant. Par contre, faut un peu comprendre l'anglais, bien sûr, mais c'est franchement, ouais, hallucinant. On peut pas construire maintenant? Non, il faut 6000 de crédit. Qu'est-ce qu'on peut construire alors? Qu'est-ce qu'on peut construire? On peut prendre ça déjà. Et si je fais des maisons, est-ce que ça va me rapporter des sous? Votre responsabilité est lourdement engagée. Qu'est-ce qu'il me rappelle, lui? Oui, car je suis un illumination et un Illuminati, alors. Qui irait bosser à l'usine? Je pense que... De quoi qu'il parle, lui? De ce plan qui fou qui veut nous faire courir pour rien, etc. Bah ouais, quelle raison de courir? Tu cours que quand t'es poursuivi, hein. Autrement, il n'y a aucune raison de courir. Bonjour, fais un gros bisou à ton prof de sport de notre part. De notre part à tous, de la part, tu lui dis, de la part du stream de Balrog, il y a tout le stream de Balrog qui, et tout le chat de Balrog, du stream de Balrog qui fait un gros bisou à ton prof de sport. Je pense que tu envoies des ressources, tu devrais en envoyer max pour embaucher d'autres ouvriers, enfin c'est mon idée, mais pas sûr que ça marche. Bah des ressources, j'en ai pas tant que ça, j'en envoie déjà, et le problème c'est que les routes que tu crées, les routes commerciales que tu crées d'une usine à l'autre, en fait ça coûte en entretien. Et le problème depuis le début de la partie, c'est que je me rends compte que l'entretien, ça coûte énormément. Et du coup, j'essaye de compenser, parce qu'il faut construire un max d'habitations pour compenser pour compenser ça. Tiens, je vais faire une route par là. Pour compenser l'entretien, il faut faire un max d'habitations, notamment. Mais c'est pas évident, on va dire. Oh, elle est belle cette route. Elle est belle cette route. Salut Jefferson.
perso, comme l'anglais ne m'aime pas, je vais me passer du lien. Hein, il y a des petites anglaises qui sont pas mal du tout, mon petit Xav. Tu as tort. Je parlais qu'il fallait faire des habitations avant l'usine, mais tu parles trop, fistule. Du coup, on ne t'entend pas. Je suis méchant, menouse, pauvre fistule. Enfin. Ça passe là ? Ça passe. Le problème ici, c'est qu'on est en zone arctique, et en zone arctique, il faut construire dans la bulle. Quand on place une habitation, il faut construire dans la bulle. Si je construis en dehors de la bulle, ils vont avoir trop froid, et la moitié vont mourir de froid. Oui, on va bien, Jefferson. En fait, on le prononce à l'anglaise, mais c'est peut-être Jefferson. Hein. Jefferson 28. Je peux toujours pas construire mon usine de corail. Pourtant, j'aimerais bien construire mon usine de corail. Ou alors, je fais une autre usine de poisson, vu que ça coûte pas cher. Je peux pas faire une route jusqu'à mon usine de poisson. Ah non, ça coûte 3000. Ah ouais, quand même. Waouh. Si je fais une conserverie, ça coûte combien? 5000. Purée. C'est pas gagné, hein. Avant que les économies remontent, c'est pas gagné. Qu'est-ce que j'exporte, moi? Non, je veux pas acheter, je veux vendre en fait. Et je peux pas faire une zone de là à là. Ça, c'est problématique. C'est combien ça? Moins 28, 0. Je pourrais balancer des fruits, mais est-ce qu'ils vont acheter des fruits? Ah non, il y a déjà une connexion. Il y a déjà. Ah oui, il y en a déjà une route commerciale qui est faite, je sais plus laquelle. Celle-ci alors? Comment on voit la route commerciale? Vers le glacier, glacier vers le bassin, glacier vers bassin. Non, il n'y a pas de route active, qu'est-ce que je balance vers eux? Vers le bassin de Valbruck, glacier vers bassin, bassin vers glacier. Mais j'ai pas... Donc t'actives une sur une. Tri des données. Vous vouliez porter quelque chose à notre attention? Je savais pas qu'on pouvait cliquer là en fait. Je suis désolé madame de vous avoir dérangé. c'est quoi cette route qui est en roue? Ah, c'est ça. Bassin 2 vers station Bastiale. D'accord. Exécution restante 17. D'accord, après on pourra changer. Ok. Ah, mais si on a envie de prononcer à la française, on le prononcera à la française, monsieur Jefferson. Mais t'as rien à en faire, Xav. T'affole pas, Xav.